Bonjour, dans ce tuto, je vais vous montrer comment supprimer une vidéo d'une playlist que vous avez enregistrée. Donc, l'objectif de ce tutoriel est en fait de détacher une vidéo d'une playlist et non pas de supprimer complètement la vidéo. Donc, ça peut vous servir notamment si vous décidez de réorganiser vos playlists ou si une playlist n'a plus lieu d'être. Mais que vous ne vouliez pas supprimer les vidéos qui en font partie. Donc là, moi, c'est le cas de cette playlist. Vu que je n'ai pas l'intention de refaire des tutoriels sur cette extension, qui d'ailleurs, je ne sais même pas si elle existe encore, je vais donc supprimer la playlist pour libérer une playlist, mais je ne veux pas supprimer les vidéos. Donc pour ce faire, donc, quand vous êtes dans la playlist, au niveau de la gestion, vous vous positionnez sur la vidéo que vous souhaitez détacher de la playlist et vous voyez qu'avec votre souris, vous avez donc trois petits points tout à fait à droite. Vous cliquez sur ces trois petits points et là vous voyez que vous avez plusieurs options. Enregistrer pour regarder plus tard, enregistrer dans la playlist, supprimer le plugin WordPress. Donc ça c'est supprimer de la playlist et donc c'est cette option qui nous intéresse. Donc on clique sur supprimer de avec le nom de la playlist. Et vous voyez que ça a supprimé. Donc si je recommence, donc je positionne la souris au niveau de la vidéo concernée. Il y a les trois petits points qui s'affichent. Je clique dessus et je clique sur supprimer avec le nom de la playlist. Hein, puisque là, la playlist, c'est bien, comme on peut le voir ici, pardon, The Plugin WordPress WP Biographia. On est bien. Donc on clique dessus et ça supprime. Et donc là vous voyez que je n'ai plus aucune vidéo dans ma playlist. Eh bien écoutez, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo que je vous invite à liker. Donc pour liker un tutoriel, enfin une vidéo sur YouTube, c'est pas compliqué. Vous cliquez ici sur le pouce en l'air. Et pour la partager, vous cliquez ici sur partager. Vous choisissez le réseau social sur lequel partager la vidéo. Vous cliquez dessus et c'est tout bon. Avant de vous quitter, juste je vous rappelle que au niveau de la description, YouTube affiche qu'une petite partie de la description, donc n'hésitez pas à cliquer sur le plus pour voir les informations complémentaires. Et en dessous de tous mes tutoriels vidéo, vous trouverez un ensemble de liens affiliés donc qui me permettent de toucher une commission si vous achetez un de ces produits en passant par mon lien affilié sans que ça vous coûte un seul centime de plus. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite. Si on clique par exemple sur le lien Odeswitch, qui est un hébergeur français pour site internet, vous allez voir qu'il a une offre unique à 5 euros hors taxe par mois. Donc en fait, vous payerez 5 euros hors taxe par mois que vous passiez par ce lien-là ou que vous alliez directement chez l'hébergeur sans passer par mon lien. Ça peut être un bon moyen, pour vous de faire en sorte que je sois rétribué pour me remercier de toutes ces vidéos que je réalise pour vous gratuitement. Allez, je vous en remercie d'avance et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao, ciao!